Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une confirmation semble-t-il du biais baissier conservé sur la paire de devises euro-dollar. Puisqu'après avoir ici tenté un rebond qui était malgré tout resté en contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours sont revenus donc sous la zone des 1.1530, retestés ici à zone des 1.1430, avant ici une cassure où cette zone a été validée comme résistance, encore une fois ici, qui plus est avec un test ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on revient ici sur la zone de support. Donc les tests sur ce support majeur des 1.13 se succèdent et se rapprochent. Attention, on pourrait bien avoir la semaine prochaine une rupture de ce support significatif. Et si on prend un aperçu plus large de la configuration, eh bien ce sont en cas de cassure des niveaux qui n'ont plus été vus depuis le mois de juin de l'année dernière. Donc attention ici, en cas de rupture justement de cette zone de support, le signal serait fortement baissier sur la dynamique court et moyen terme. Et puis pour l'or, pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut prendre un petit peu de recul sur la configuration. Avec donc cette phase de baisse ici qui avait donné un point bas significatif, on avait eu un rebond qui avait dans un premier temps testé le retracement des 23,6% de Fibonacci et la zone des 1211, puis une cassure de cette zone où on avait validé un contact ici sur le retracement des 38,2% de Fibonacci et la zone des 1242 $ l'once. Et puis on évoluait ici à l'intérieur de cette zone. Et puis ce que nous avons eu, eh bien aujourd'hui, c'est une rupture de la zone des 1211. Donc cette zone qui était précédemment résistance était devenu support et il aurait été intéressant que celui-ci reste support pour valider la poursuite du mouvement haussier. Le problème, c'est que l'on est en train de casser ici cette zone et de revenir ici sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc si on revient en unité de temps 4 heures, on peut bien constater ici cette rupture et l'attaque ici du retracement. Donc si cette rupture était confirmée, eh bien on aurait une invalidation donc de la poursuite du mouvement haussier. Et si on revient au point de vue journalier, eh bien nous avons donc une dynamique baissière qui a rebondi. Nous avons donc un rebond technique, mais ce rebond s'arrête ici sur le retracement des 38,2. Si on revient ici sous le 23,6, eh bien l'objectif sera, en cas de rupture des 1182, un retour à terme sur la zone des 1160 $ l'once, qui constitue ici le point bas significatif que nous avions eu à la fin de cet été et qui confirmerait, eh bien, l'orientation baissière de la dynamique moyen terme du métal jaune. Et puis sur le WTI, toujours en vue daily, je vous disais qu'en cas de rupture ici des 64,30, l'objectif se situait ici sur la zone des 59 $ le baril, qui était donc la prochaine zone d'extension de la précédente phase haussière et la prochaine zone de support majeur. Et bien c'est ce que la zone que nous sommes en train ici d'approcher, avec donc des cours qui ont validé les cassures successives des précédents supports. Alors actuellement nous sommes donc dans cette configuration qui est fortement baissière, avec ici en unité de temps H4 de nombreux contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance, et nous avons les cours et bien qui testent ici la zone de retracement à 50%. Donc la zone de retracement ici à 50% est juste au-dessus des 59 $ le baril. Donc c'est vraiment ici l'objectif qui est attendu et qui confirme le biais baissier sur le WTI, qui ne serait invalidé qu'en cas de retournement majeur ici et retour sur la zone des 64,30 $ le baril. Et puis enfin, le Bitcoin qui évolue toujours ici d'un point de vue moyen terme dans un range d'évolution entre 6150 et 6790 $. Alors on pensait ici qu'une phase de hausse allait se mettre en place suite à la rupture de la zone intermédiaire des 6470, mais hier je vous indiquais ici qu'on avait cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on avait qu'on était en train d'invalider ici la poursuite de cette dynamique. Et bien ça a été confirmé puisqu'aujourd'hui on est venu ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Alors 100%
pour cela remettre en cause la poursuite de la dynamique, on est quand même sur une volatilité qui commence à réaugmenter sur le Bitcoin. On ne sait pas encore par où va sortir donc le Bitcoin de cette zone de range, mais la volatilité reprend, et tant que l'on est ici sous la zone des 6470 et sous les moyennes exponentielles, eh bien, on devra privilégier un retour possible ici sur la zone des 6150$ pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.